Foot et buffet. Oui. Bravo. Oui, Fred. D'accord. Explorateur d'escale. Bien, Fred. Bravo. Voilà, toujours depuis l'ancienne Vigidaire France à Orly-Sud, magnifique plateau. Oui. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, on va faire une émission cochonne aujourd'hui. Mmh. Tout un programme. Mmh. Oui, non, on a tout ce qu'il faut. Du cochon. Du cochon, du cochon, du lard, du cochon. On va commencer d'abord par nourriture. Intellectuel. Intellectuel. Oui, parce que on va quand même vous prouver qu'il n'y a pas que l'émission cochonne du cochon, et qu'il n'y a pas que du cochon. On va commencer par les bibliothèques gourmandes, les éditions Virgile, avec un abécédaire porcinophile. D'accord. Bien. Ça, c'est tout un programme. Un côté historique de la gastronomie, sociologique, philosophique. Culturel. Culturel. Plein de belles plumes qui écrivent Claude Villers, Jean-Pierre Biou qui nous donne une recette de carré de porc. Jean-Pierre Biou qui est connu de beaucoup de... Lis-nous un petit extrait. Oui, très rapidement. Un extrait. Oui. Alors un extrait de Guy Cassanier, Famous Famous, dans l'abécédaire, la lettre F. Ainsi s'exclament avec enthousiasme les Gascons d'hier et d'aujourd'hui lorsqu'ils dégustent le noir de Bigorre. Ce jambon local unique en France, préparé à partir de cochons de la race gasconne. Alors justement, on a du noir de Bigorre. Goûter. Oui. Il était menacé de disparition il y a 25 ans. Le ministère de l'Agriculture a bien aidé d'ailleurs à sa réintroduction dans les années 80-85. C'est un cochon noir qui existait déjà au XIIIe siècle. En Bigorre. Et c'est un cochon qui se promène dans les alpages, dans les forêts, en altitude. Qui glande, oui, bien sûr. Mais oui, forcément, pour un cochon. C'est un cochon très rustique. À 2 ans, il a sa taille idéale avec 160 kilos. D'accord, mais quand est-ce qu'on mange? Eh bien. C'est le bon moment. Donc, mais oui. Alors, avant de manger, je crois qu'il serait bon que l'on regarde une vidéo de notre artisan qui fabrique. Ce petit noir de Bigorre. Pierre Sajous. Frédéric, le métier de Pierre Sajous que l'on voit à l'image en ce moment, pendant qu'on déguste ses productions. Ah oui, moi, hein, pendant ce temps-là. Donc son métier, comme il le dit, un bon produit fait ressortir les richesses d'un terroir. Et un bon produit, il faut d'excellents producteurs. Ça, c'est la première chose. Et à propos des terrines, alors Pierre Sajous, il maîtrise vraiment parfaitement tout ce qui est cuisson. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très très bon. Hein. Et puis son but, c'est pas de masquer ni de trahir le goût originel des viandes, c'est vraiment de faire ressortir tout ce côté terroir. Voilà pourquoi on a amené de quoi déguster ici. Ensuite, au niveau salaison, puisqu'il est salaisonnier. C'est un mot que je ne connaissais pas, mais monsieur, salaisonnier. Il est salaisonnier. Ah, puis là, la viande du petit noir de Bigorre est délicieuse. Le fait qu'il aille glander comme ça en altitude. Alors il glande parce qu'il mange des glands et des châtaignes. Bien compris. Voilà. Et des châtaignes, mais il y a un côté floral aussi dans cette chair qui est vraiment magnifique. Jean-Michel, est-ce que vous pourriez me resservir un petit morceau de gras? Parce qu'il n'y a que du gras là-dedans. Oui, c'est un petit groin de paradis. Un petit groin de paradis. Mais il n'y a que du gras. Il y a une tranche de blanc sur une tranche de blanc. Oui, mais c'est ce qui est le... Donc ça, c'est le petit... Alors, ça, c'est le jambon, le petit noir de Bigorre. C'est cochon, ça, c'est cochon. Ça, c'est cochon. Voilà. Et le morceau, là, le morceau de gras, c'est quoi? Ah non, ça, c'est du noir de Bigorre qu'il faut cuire délicatement. Il ne faut pas le faire fondre complètement. Il faut vraiment garder toute cette saveur. Mais ça ne se mange pas cru. Ah non, ça ne se mange pas cru, ça. Ça ne se mange pas comme ça, sur non, le pain. Voilà. On ira le faire cuire. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru. Donc, c'est vraiment cochon, tout ça. C'est vraiment cochon. Donc, la terrine. Voilà. Le saucisson. Oui. Ah, excellent. Excellent saucisson. Excellent. Le noir de Bigorre également. Voilà. On va le goûter. Toujours la même chose. Et notre fameux, nos boissons. Ah, toujours. Toujours, on a adopté le Ruchia Cola. Aux allures de Champomy. On va continuer à parler livres, livres cochons. On reste dans le cochon. On reste dans cette le cochon. Fois-ci, toujours. On va cuisiner avec ce livre des éditions blanches. Je cuisine comme une cochonne. C'est-à-dire, elle s'en met partout? Alors non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est juste des recettes
qui sont donnés en degré de difficulté un cochon ou deux cochons. Et au niveau du temps de cuisson ou de préparation, c'est en relation avec les un performances. Cochon, deux cochons, oui, d'accord. Si c'est du très cochon ou du... Du très cochon, c'est difficile. Voilà. Très cochon, c'est... C'est un peu difficile. Ouais. Et puis après, le temps de cuisson s'exprime en performance de certains de nos hommes politiques choisis. Exemple. Choisi. Eh bien, temps de cuisson Chirac, par exemple. Oui. 3 minutes. 3 minutes. Nous avons avoir des soucis. Nous avons, oui. Nous avons le temps de cuisson DSK, oui, qui correspond à 18 minutes après la douche. Après la douche. D'accord. Et le très célèbre. Alors, Félix longue Faure. Cuisson, oui. Ah ben, le très célèbre Félix Faure. Puisque c'est une cuisson jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mmh. Voilà. D'accord, donc je cuisine comme une cochonne, donc des recettes très sérieuses, mais traitées de manière très humoristique. Très humoristique. Coquine, voire coquine. Voire même très coquine. Ouais. L'auteur est une femme. Minette Strom. Oui, Minestrom. Oui, c'est bien. Minestrom. Oui, voilà, je cuisine comme une cochonne, aux éditions blanches. Ensuite. Très bien. Voilà. Cochonnerie en tout genre. Cochonnerie en tout genre. Oui. Les éditions Les Itinéraires. 28 recettes. Alors, 28 nouvelles charcutières. Ça, on est toujours dans de la cuisine. De la littérature cuisine. De la littérature cuisine. C'est-à-dire que sur le thème du cochon, on retrouve 28 nouvelles qui sont développées par Blandine Vier et Patrick Demary. Blandine qui a créé cette collection, la collection Buffet d'auteur. C'est une collection qui lui c'était plaît. Pour vous, bien sûr. C'est 28 histoires humoristiques, tendres, douces, drôles. Et mais il y a des recettes. Toutes sur le cochon. Pas du tout, non. Avec pas forcément non, pas des recettes. Non, c'est intégré à l'intérieur de certaines des nouvelles des recettes, mais on est sur du pur cochon de l'histoire. On est sur du pur cochon de l'histoire. Ensuite. Des cochonneries en tout genre. Des cochonneries en tout genre. Il n'y a pas que des cochons dans les postes de pilotage, cher monsieur. Et les cochonnes? Non plus, non. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Non, bon, alors il y a surtout un bœuf dans le cockpit. Ça, c'est très bien. Il est superbe, très très bien. Magnifique. Très très sympa. Ancien pilote aux Antilles, d'Air Caraïbes. Oui, un des créateurs d'Air Caraïbes. Un des créateurs d'Air Caraïbes. Sur DC3, il nous raconte toutes les aventures qu'il a pu vivre aux Caraïbes avec son DC3. À Lille, c'est drôle. C'est vraiment super. C'est aux éditions. Aux éditions Mareuil. Aux éditions Mareuil. On rappelle le titre de ce livre. Allô la tour, il y a un bœuf dans le cockpit. Oui, c'était pour trancher un petit peu avec le cochon. C'est une nouvelle qui fait partie de ce livre. Complètement. Et puis pour finir, après toutes ces cochonailles, quelques cochonneries. Voilà, parce que de toute façon, tout est bon dans le cochon, on le sait. Mmh, hein, tout à fait, chez l'homme aussi. Et des gâteaux et des hommes. Des gâteaux et des hommes. Un livre succulent. Aux éditions Michel Lafon, Bettina Dal Bosco qui nous sort une étude fabuleuse. De l'île flottante. Tu aimes l'île flottante ? J'adore. Tu adores l'île flottante ? Après le millefeuille. Alors ? Ah, le millefeuille. Le millefeuille, c'est bien aussi. Ah, bien aussi. Donc, si tu es l'île flottante, puisque Bettina Dal Bosco fait la comparaison à destination des femmes pour pouvoir reconnaître en fonction de leur gâteau préféré les hommes et les les problèmes, pièges potentiels liés à l'excès de sucre. Donc, si tu exemple. Es île flottante, oui. Donc, tu viens de nous le dire. Voilà. Si je suis île flottante. Tu es du type marin qui a une femme dans chaque port. Être contente. Alors pas du tout. Et sachez que l'homme millefeuille, puisque je crois que le millefeuille te plaît également, vous noiera dans ses couches avec ses mensonges. Pas mal. Vous êtes quoi, vous? Macaron. Avec deux côtés. Des gâteaux et des gâteaux hommes. Et des hommes pour que les femmes puissent choisir les hommes en fonction des gâteaux ou les gâteaux en fonction des hommes qu'elles fréquentent. Ça, c'est chez Michel Lafon. Oui, très bel ouvrage. On en a fini pour les livres. Voilà. Ensuite, un restaurant, on va rester dans peut-être pas le cochon pur et dur, mais le canaille. Mmh. Avec un restaurant que j'apprécie tout particulièrement, je crois que c'est une des tables que je préfère à Paris. Un bistrot canaille. Bistrot canaille, oui, tout à fait. Un ancien élève de Cambord qui a ouvert l'Ami Jean. Ouais. Alors l'Ami Jean, c'est une institution. C'est une institution à Paris. Oui. Mmh. Mais Yves Jégou a repris l'Ami Jean il y a déjà quelques années maintenant,
Alors la déco n'a absolument pas changé, ça fait partie un petit peu de l'esprit maison. On se retrouve serrés, collés les uns aux autres sur des tables, puisque c'était un repère de troisième mi-temps de rugbyman. C'est peut-être ça qui est cochon. Oui, ça doit être ça l'aspect cochon de la chose. Et ensuite, Yves, lorsqu'on arrive dans ce restaurant, a une technique que j'adore, c'est il a un caractère infernal. Mm-hmm. Donc, il regarde qui entre. Et il vous met dehors. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, surtout que c'est souvent complet, c'est même tout le temps complet. Et en fonction de la tête que l'on peut avoir, de l'expression, eh ben, il nous concocte son menu carte c'est blanche. À la tête du client. C'est vraiment à la tête du client. Et pour les têtes de cochon, je ne pouvais pas l'arrêter, évidemment. on se retrouve avec tout ce qu'il faut. On rappelle où se trouve précisément. Dans le 7e arrondissement, pas très loin de la Tour Eiffel. Je n'ai plus l'adresse exacte en tête, mais. On va retrouver ça. Vous pouvez le voir sur le site internet lacrouteetbuffet.fr. C'est une de nos adresses emblématiques. En avons-nous fini avec toutes ces cochonneries? On n'a jamais fini avec les cochonneries, Frédéric, mais pour cette fois-ci, on va faire une pause. Voilà. On mange du gras? Allez. On mange du gras. Allez, allons-y. Capitaine Lacroute. On va appeler l'amical du gras. À très bientôt. À bientôt, Fred. À bientôt, Fred.